feu. Coup de feu, coupe feu, feu de Bengale, feu sacré. Feu, 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 feu aux poudres, feu follet, feu sur un tas d'ordures. Tu savais que cette ville se rachetait une pureté en offrant ses enfants aux flammes. Mais tu devais honorer celui qu'on avait déjà oublié comme on oublie un rêve. Peut-on sauver la ville? Eh bien, je dirais oui. Et dans un premier temps, je pense qu'il faudrait que les gens se réapproprient leur capacité de rêver. Il faudrait que les gens se sentent capables de changer, de sauver la ville. Les rêves sont faits pour être réalisés. Il faut y croire, il faut avoir envie de les manifester. Et donc oui, pour moi, on peut sauver la ville. Dans un premier temps, se réapproprier sa capacité de faire des rêves, avoir foi dans notre capacité à manifester ce que l'on a envie de voir dans ce monde et agir dans ce sens-là. Je fais partie des personnes qui pensent que une fois que l'on a clairement dit ce que l'on voulait voir sur Terre, eh bien, la vie, les choses se mettent en place pour que ces choses que l'on a envie de voir se matérialisent. Et je fais aussi partie des personnes qui pensent que pour changer le monde, pour sauver le monde, eh bien, on a à prendre déjà notre propre responsabilité dans le sauvetage, dans le changement. Et voilà, comme le colibri, je ne sais plus de quel conte, mais qui n'est qu'un colibri, mais qui prend sa petite goutte d'eau pour éteindre l'incendie. C'est vrai qu'apparemment, il meurt à la fin, mais voilà, c'est investir soi-même dans le sauvetage, dans le changement, et y croire, en avoir réellement et sincèrement envie, et c'est, je pense, un bon début. One day,